Et on va avancer un tout petit peu pour qu'on soit un maximum là, rassemblés devant les locaux de la CAP de Vaucluse. Écoutez, on continue de recenser. On recense aujourd'hui plus de 60 crèches mobilisées. Et au dernier comptage, nous sommes quasiment 500 manifestants. Nous on veut des professionnels formés. Nous ne voulons pas de bébés à la consigne. Nous ne voulons pas de bébés dans des boîtes à sardines. Aujourd'hui, le collectif départemental de la petite enfance, avec les organisations syndicales CGT et FSU, se mobilise autour de l'appel national du collectif Pas de bébé à la consigne. Nous sommes mobilisés avec les salariés et les professionnels en charge de s'occuper au quotidien du bien-être et de l'éducation de nos enfants depuis leur plus jeune âge. Parents, citoyens, mais aussi élus en charge de la politique, nous devons bien comprendre pourquoi a lieu une telle mobilisation dans tout notre pays. Tous ces professionnels savent ce que c'est déjà que de travailler plus, encore plus et le mieux possible avec de moins en moins de moyens. Et pourtant, ils ne se mobilisent pas aujourd'hui pour leurs propres intérêts de salariés, mais avant tout pour pouvoir garder suffisamment d'humanité dans les structures d'accueil de la petite enfance et dans tout le système éducatif. Leur mission de service public dignement, pouvoir s'occuper des enfants et répondre à leurs besoins, répondre aux parents et les accompagner dans leur travail d'éducation. Les enfants ne sont pas des marchandises que l'on peut stocker la journée. Les crèches ne sont pas des lieux de gardiennage, des consignes où les parents déposent leurs bagages quand ils doivent aller travailler. Les crèches et tous les lieux d'accueil collectif, comme les maternelles, doivent être des lieux d'accueil éducatifs et humains. Pour cela, il faut des professionnels et des personnels qualifiés, disponibles pour les enfants et leurs parents. Le nombre de pétitions signées par les parents montre l'intérêt et la volonté de dire « ça suffit ». Nos bébés, nos enfants ne sont pas des sardines que l'on peut traiter comme de simples marchandises, sans se soucier de leur bien-être, de leur éducation et de leur socialisation. Les organisations syndicales ne cautionnent pas ces dispositions
comme elles ne veulent pas de la disparition des écoles maternelles. Non, nous ne voulons pas de toutes ces casses organisées, de tout notre système de protection sociale qui laisse de plus en plus de concitoyens au bord de la route, sur les chemins de la précarité. Nous affirmons qu'une politique publique ambitieuse pour la petite enfance constitue un vrai et un réel investissement pour l'avenir. Elle doit permettre à toutes les familles qui le souhaitent d'accéder pour leur enfant à un mode d'accueil de qualité ou à l'école maternelle sans barrière financière. Plutôt que de vous préoccuper autant de ce fameux bouclier fiscal où l'on rend chaque année plus de 65 millions d'euros aux plus riches, consacrons un peu plus de temps et de moyens à se soucier d'une réelle politique pour l'enfance et l'éducation. Alors quelle démagogie, quelle provocation quand on annonce la création de plus de 100 000 places d'accueil collectif et que dans la réalité, il s'agit simplement d'autoriser les taux de remplissage en surnombre, d'augmenter le taux d'encadrement. Et après, on encadrera le temps pour changer une couche, comme on minute aujourd'hui le temps de la douche auprès d'une personne âgée. Quelle humanité! Des conditions d'accueil ou de scolarisation des jeunes enfants est inacceptable, mais elle n'est pas inéluctable. L'exigence de qualité pour l'accueil des jeunes enfants est légitime et indispensable pour promouvoir leur développement et leur bien-être et répondre aux attentes de leurs familles sur l'ensemble du territoire.